Salut tout le monde, ici c'est Bézian qui va essayer de vous parler en 5 minutes de son adaptation du roman Carou de Steve Teizige. J'étais pas un habitué de ce genre d'exercice, et d'ailleurs en tant que lecteur ça m'emballe pas outre mesure. Mais bon, là j'ai eu le coup de cœur pour un roman qui se pose implicitement la question justement de qu'est-ce qu'être auteur, qu'est-ce qu'avoir de l'autorité, qu'est-ce que l'adaptation, etc., etc. Pour ce faire, je me suis posé quand même la question assez longtemps pour être sûr de savoir par quelle boule attaquer, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais ne pas faire et pourquoi je ne pouvais pas le faire, etc., etc. Qu'est-ce une adaptation fidèle ou distancée, aventureuse? Et étant les plus aventureux, je suis allé regarder après X films, dessins animés, opéras, d'après des romans, des pièces de théâtre, etc., etc. Je suis allé forcément regarder du côté de chez Godard, qui s'amuse bien avec des bouquins de base. Parfois des romans de gare, parfois des romans plus connus. Ben, par exemple, Masculin-Féminin, qui est tiré de deux nouvelles de Maupassant. Bon, c'est assez crypté, il faut aller le voir, quoi. On a le célébrissime Mépris, d'après Moravia. Et là, mais par contre, là, c'est une adaptation assez fidèle. La trame du roman est assez fidèlement suivie. On a les dialogues qui sont du pur Godard, quelques situations métaphoriques, comme le Jack Palance qui balance des bobines de film comme un disco-ball. Mais bon, la trame, c'est quand même littéralement celle du roman. C'est-à-dire un écrivain velléitaire, déchiré entre création et commerce, appelé par son producteur pour bidouiller le film d'un vieil aigle du cinéma dont il estime qu'il n'est pas assez vendable, et qu'il faut qu'il soit vendable. Lequel film s'occupe de l'Odyssée? C'est une adaptation de l'Odyssée. Qu'est-ce qu'on a? On a une femme assez revendicatrice, assez aigrie. Et on a l'échec de tout ça, et ça se clôt même par un accident de bagnole tout à fait catastrophique, hein, qui termine l'histoire dans un bain de sang. Et là, suspense. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, quelques lecteurs attentifs de Carou doivent être en train de se dire, mais oh, c'est pas le mépris qu'il nous raconte là. C'est Carou. Et voilà justement le détail qui m'a fait, comment dire, prendre la mesure de mon terrain de jeu. C'est que je me suis rendu compte que Carou, c'est le même argument que le mépris. Et alors là, je me suis dit, oh là, oh, on s'emballe pas, on relit le bouquin tranquillement. Et en relisant le bouquin, qu'est-ce que je m'aperçois, comme dit l'autre? On a une scène avec le producteur, qui est une fieffée ordure, qui rend à Carou un bouquin qu'il lui a emprunté 2 ans avant. Et ce roman, c'est Les Asiatiques, d'un écrivain nommé Frédéric Procoche. Et là, tilt. Procoche, c'est le nom du producteur joué par Jack Palance dans Le Mépris de Godard. Jérémy Procoche. Il est malin, non, le petit Teziche? Rigolo. Et personne ne l'a vu. Ni la critique, ni les lecteurs, ni les éditeurs. Personne. C'est entre vous et moi. Et après, il me restait à m'amuser, quoi. À faire, selon mes principes habituels, faire quelque chose qui soit infaisable autrement qu'en BD. En jouant avec le gaufrier, avec la bicro, avec de la trame, avec de la couleur, mais de la bicouleur monochrome, avec le gaufrier qui se délite. Et avec différentes astuces qui ne doivent qu'à la bande dessinée. Voilà, j'espère que j'y réussis un peu. Allez,
Bonne confinade à tous. Bisous. Ciao.